Bonsoir tout le monde, un plaisir pour nous avec vous. Si vous montez pas ici la première fois, n'a pas bleu. Il est important pour peser le bouton subscribe là en bas et puis un petit cloche à côté là, peser pour capable être connecté avec nous. Nous porter information pour mes amis qui concerne les sandarilés, diplomates haïtiens en République dominicaine, une fois encore, on dit une honte, une soufflette, marasa, qui ça lié. C'est qui tendez bien, un diplomate haïtien yo arrêté. On t'avait dit diplomate qui représente pays là, qui bon ça passer en République dominicaine. Oui, qui ça a arrêté? Il a arrêté parce qu'il a transporté haïtien sans papier. Comment? En République Dominicaine, pour gagner tout le bagage ça, pour gagner des diplomates, c'est comme si il a sauvé voilà de Miami avec au New York, whatever. Donc, diplomate haïtien trouvé à mettre mon nom, en machine diplomate pour entrer de manière illégale en République Dominicaine. Comment? Qui a ça fait fête? Il y a un visa pour la République Dominicaine. C'est la honte. Mais c'est bien balayé. Inspecteur immigration dominicaine, en coordination avec membres de l'armée pays, il a arrêté un officier dans le consulat haïtien dans Dabon qui a transporté 4 haïtiens sans papier dans machine diplomate. Nous voyons ça fait mal, il va être fait mal. Journal pays qui c'est Listen Diario, normalement il a couru rapporter un diplomate haïtien. OK, yo kouri rapporté fait. Yo informé que détenu diplomate là, identifié monsieur autorité et militaire et immigration. Non monsieur c'est Yoni Castillo. Bon, Yoni Castillo ça, il va finir mon nom haïtien. Est-ce qu'ils sont haïtiens tout? Comme nous connaît gain secrétaire dans l'ambassade et en République dominicaine, nous connaît monsieur sont dominicain lié d'ailleurs et il était fermé dans prison. Whatever. En fait, yo arrêté monsieur. C'est officier consulaire d'Abonne, il dit 4 immatriculations, monsieur, il a toute information, monsieur, 0195-46. 10e bataillon d'Abonne, signalé que monsieur dame sa papier ça, il a été appréhendé dans un SUV de marque Land Cruiser, en Prado Blanche, avec plaque diplomatique dans le DLI, D00902. Diplomate là, et moun ki sans papier yo et yo arrêté yo par militaire qui était affecté dans poste de contrôle dans secteur Laurel qui trouvait la 3 km urbain en Dabon sur route qui relie Monte Cristi. Bien diplomate non Yuri Castillo, merci en pile, yo voye l'en garde à vue dans province Monte Cristi. Véhicule li a qui t'es parti matin, c'est ça, rapport 10e bataillon, on dit. Bon, mais là, ça qui passe, il y a un diplomate. Bon, bah, on est en diplomatie, tu as dit que tu as un certain prestige lors de ce diplomate, ou un certain respect. Ok? Donc, il y a arrêté tout un coup de petit vagabond parce que on a mis des gens dans la machine pour aller illégal. Qui bon? Qui bon, s'il vous plaît, c'est un domaine. Il va pour faire nous honte dans pays ça. On a qu'un bon diplomate. Comment comme bon pour t'acheter ton visa Saint-Domingue. Pour qui ça? L'obligé à prendre honte ça. Hein? Diplomate de son état n'a sale dans pays ya. Pays a fin perdu tout prestige, nous pas en rien encore. Son honte. Bon, bah il faut préciser pour tout. Vous pouvez constater ces derniers jours que Saint-Domingue a une politique renforcée sécurité dans la frontière. Déporté haïtien par pile et par paquet, 1er janvier 2020, jour n'a célébré l'indépendance. Nous avons vu un pile ban chaque jour. Il a fait travail. Ça. Pourtant, tenez bien. Pourtant, il a fait histoire ça. Dominique a fait style. C'est un bon problème. Parce que le problème est tellement grave. Ça, c'est l'information en bas. Il y a des agriculteurs dominicains. Ils ont des pressés pour stopper les bagailles qui ont expulsé les haïtiens. Vous comprenez bien pour qui ça? Agriculteurs, ils ont exigé suspension. Ils avaient dit agriculteurs dominicains, ils ont dit business. Ils ont même exigé suspension, déportation massive, travail haïtien sans papier que l'autorité a fait. Ils ont dit sans papier, ils ont dit que actuellement, bon bagay yo les collègues
de plantation. Plantation pois que yo gen, haricot yo, yo di bay sa wap fin effondré. Parce que yo di en 95% c'est des haïtiens qui fait travail sa. Yo voyon avertissement. Oui, avertissement bay dirigeant principal, avait dit principal association agriculteur dans ce domaine. Yo mande yon trêve. Très bien, brutalement bas la gare, même les pas à camper, ils demandent un trêve. Direction générale immigration, ministère de défense, ils disent, ils sont en tout, ils demandent un trêve jusqu'à ce que ils finissent faire collecte, transport, chargement, parcelle de rassemblement. Quand ça veut dire, les au moins ils finissent faire collection, peut-être qu'ils ont commencé à déporter, ils ont tourné encore, ils demandent un trêve. Question a été abordée par Alejandro Ramirez Bidos et Aledio Bernardo Pablo Raza, ensemble de principaux dirigeants association agricole. Dans réunion te gen avec colonel Ramon, commandant 3e brigade de l'armée république dominicaine, yo également dénoncé, yo abordé, m'bon garanti yo pa le propose vraiment oui, parce que monsieur arrive yo di yo même yo en danger. Si yo pa gen main d'œuvre. OK? Yo également dénoncé agriculteur yo le fait que gen des militaires dominicain quand il entre dans ferme grand bonnet dans matin yo casser porte yo et puis commencer à arrêter haïtien yo dit que yo prend l'argent yo prend téléphone yo portable yo prend d'autres effets personnels haïtien ou bay pa yo yo dit action ça son violation de droit de l'homme yo dit que culture haricot li mande en pile main d'œuvre 90% dans monde qui pour réaliser travail ça c'est des méthodes artisanales très anciennes yo pa gon yo pa gon agriculture qui gain trop gros machines ba ça OK ba son système yo gain depuis plus 50 ans yo pa si avancé que ça. En ce sens yo dit que président Danilo t'a supposé ordonner arrêt immédiat de rapatriement. Vous comprenez ça veut dire donc ça c'est agriculteur qui a parlé plus loin yo soutenir que main d'œuvre haïtienne. C'est un bagage qui est essentiel pour le secteur agricole dominicain, ainsi que pour savoir les travaux de construction. Donc, en clair, et s'il est vrai que ça nous saute pas là, moun kap rentre illégal, que yo fin chaud, contrôler tout port, parler moun entrée, déporter chaque jour. Mais agriculteur, d'où que yo même yo nan problème là. Yo nan problème. Yo mande pour camper sous bagage ça. Mais yo ton bagage qui est un peu triste, yo dit au moins ba on trêve. Après à déporter ça qu'on fait vraiment vrai le temps passé bon période où il a déporté bon période où tigeant va même même là qui était venu parce que vous connaissez il a besoin main de haïtien pour venir bourriquer pour qui ça pour petit monnaie. OK et ça vous comprendre la cause ça c'est que autorité dans la République dominicaine a obligé font poser vraiment vrai si vous gain tête c'est n'a pas les dans l'économie. On parle d'un secteur clé dans la population qui dit que baga la crase dans main ou pas de main d'œuvre. Ou bon pays pour ou comprendre un pays son secteur clé, secteur manger. OK? Donc très certainement on va obligé pour pause parce que il était après la moi. Ou si span fait style, c'est au besoin monde. Et vend ou bien histoire ça à tout. Li rivé avec Donald Trump, nous songe que nous te bonne nouvelle ça que il passe dans le Sénat déjà, il y a une loi. Il passe dans la chambre de vitil, il y a pour voter dans le Sénat. Il y a une loi justement pour commencer à papier pour des séries de monde qui travaillent dans le champ, pas ici aux États-Unis. Parce qu'il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Il y a besoin de bon monde sans papier. Ok, bien qu'il y ait une procédure. Nous débattons ensemble des détails qui viennent de le fait. On va le temps. Il y a plusieurs options. Option 1, côté que il est capable de bon bagage chaque 5 ans pour renouveler. Option tout. Dans le sens que après un certain temps ou qu'a fait pétition peut-être pour gain résidence par alguna option côté que bon soit capable faire pétition pour mais loi li là et en pile mon a soutenir Donald Trump soutenir bien entendu il dit que et fondou pendant étant dit a soutenir là bon ban républicain au niveau de Sénat qui campait mine de loi qui pas d'accord non au niveau vendou bien au niveau de chambre des députés qui pas d'accord ou ba ça passer parce que même dit c'est amnistie mon entre illégal mon connait bal ba ou papier ça de choses pas d'accord ba ça même. OK but il y a un pile chance pour loi ça passer et bien que capable faire petite modification là dans les autres donc ça veut dire qui ça et Donald Trump et Jean Wellier là des boutons des planter là qu'il dit bon c'est bagaille déporter ça bon problème il connaît faut le fond gens il connaît faut gens parce que
plantè yo besoin main d'œuvre, li yo besoin main d'œuvre ça ouvri. Yo besoin moun sa parce que moun généralement qui gen papier, yo est citizen, pa pa le travail dans champ. Donc c'est même cause elle a parlé de ces domaines là, agriculteur yo kap dou que yo pa gen yo 95% main d'œuvre c'est des haïtiens. OK? Donc yo mande nèg yo suspend fait style camper à d'autres noirs, puis des déportés haïtiens, pas pile pas paquet, yo pa gen moun. Mais quand même ça nous le dit pas là. Et s'il est vrai que très tellement on va le faire réduire dans réduction dominicain, si de toutes les façons toute logique est dirigé à diriger, il y a travail en deuxième là diriger, c'est pour pays là, c'est pour nation à obligé prendre main. Mais ça pas empêcher que son honte pour dire que l'autre monde son honte pour que un diplomate a fait causer ça. Pourquoi ça me dit pas payer un autre monde à faire travail ça, hein, un diplomate courrier, hein, pour avoir entré avec des individus sans papier qui bossent Saint-Domingue pour qui ça? Saint-Domingue qui ça? Qui différence? Qui ça gagne comme ça? Même parce que et Jean monsieur ça arrêté avant ban. Non, il peut se presser on est comme ça. Révoquer. Pas gagne à sortir de là non. Parce que presser on est comme ça là. C'est révoqué si au moins nous avons minimum de juge là pas de mesure Yoni Castillo il va même fin gon bon haïtien et n'a pas ça nèg yo pon bon dominicain là qui dans job là. OK, nous te connais exemple nèg Alcante son dominicain. OK, Yoni Castillo ça grand pile chance en dominicain et nèg yo les jeunes là tomber bon dominicain et pour occuper des postes diplomatiques, il va gagner assez haïtien. Pas gagner haïtien pour poste ça. OK. Et donc voilà, mes amis, pressé nous mandé pour voir mettre Castillo dehors pour nous raqueter. Vous comprenez? Diplomate raqueter. OK? Pas possible. Donc voilà, nous devons te update ça pour justement pour comprendre que tout côté n'a prend rien pas bon ici. Rien. Vous êtes branché, vous êtes connecté, parce que nous avons pour vous des informations pertinentes. Pas oublier, visez le bouton subscribe, appuyez la cloche pour capable de vivre tout ça qui est important que nous avons pour vous. C'était un plaisir.